suis Anaïk Bouguenec, ingénieure de recherche à l'INRA et je travaille dans l'unité génétique diversité et écophysiologie des céréales et plus particulièrement sur la diversité génétique du triticale que j'augmente par croisement entre du blé et du seigle. Alors le projet Triticef concerne en fait les nécroses foliaires de type septorio, ce qu'on peut remarquer sur triticale et qui sont en fait assez difficiles à distinguer les unes des autres. Or c'est un préalable pour pouvoir lutter contre les agresseurs qui les causent. Donc les acteurs qui s'intéressent au triticale, qui sont le GIE triticale, Arvalis et l'INRA, se sont penchés sur ce problème avec, pour répondre à trois questions. Qui sont les champignons qui causent ces nécroses? Comment se comportent-ils? Et quelle résistance on peut utiliser pour lutter contre ce problème? Alors, la première chose qu'on a fait, c'est collecter des feuilles de triticale avec des symptômes qu'on a été chercher un peu partout en France dans les zones de culture du triticale. Les champignons ont été identifiés, isolés et mis en collection. Ensuite, ils ont été analysés par marquage moléculaire. On a aussi étudier le spectre de spécificité de ces champignons en les cultivant sur différentes céréales. Et on a mis au point des protocoles pour pouvoir tester différentes variétés. Donc ça a été fait ensuite en plein champ et en conditions semi-contrôlées. Et enfin, on a recroisé des blés et des seigles potentiellement résistants pour pouvoir introduire cette résistance dans le triticale. Alors, sur la première action, on a collecté à peu près 200 échantillons sur lesquels on a trouvé essentiellement du genre Parastaganospora, aussi Zimoseptoria tritici et Didymella ascochyta, avec des proportions variables. Donc ces champignons ont été isolés et mis en collection, sauf pour Didymella qu'on n'a pas réussi à mettre en culture, mais donc on a des collections de Parastaganospora nodorum et de tritici. Et ensuite, les analyses moléculaires ont permis de préciser que dans le genre Parastaganospora, c'est surtout le nodorum qui est présent. Et par rapport à tritici, on a comparé ça avec ce qu'on trouve sur blé, et on arrive à distinguer, si on utilise suffisamment de marqueurs, on va réussir à distinguer les souches en fonction de leur hôte. Voilà. Ensuite, pour nodorum, en fait, ça attaque à la fois le blé dur, le triticale et le blé tendre, tandis que tritici va attaquer beaucoup plus fort le blé tendre. Pour ce qui est des observations de gamme de variétés en plein champ et en conditions contrôlées, on a réussi, même si les conditions n'étaient pas idéales, on a réussi à distinguer des variétés les plus résistantes des plus sensibles. Et en faisant des croisements avec des blés résistants, on a réussi à obtenir des triticales qu'on dit primaires qui ont intégré apparemment les résistances venant du blé.